Eh bien, salut les amis! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, pour vous dire, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Et vous savez pas à quel point je suis heureux parce que j'ai eu un gros problème avec Minecraft, de 1. Alors, pendant 2 semaines, je n'ai pas pu publier de vidéo. J'en ai publié une seule, je veux dire, parce que j'en avais une en réserve. Merci, Movie Maker. Voilà, en fait, j'avais raté Movie Maker. J'étais censé la faire et l'envoyer, mais il y avait un gros problème et j'ai dû refaire. Et du coup, bah voilà, tranquillement, j'ai pu refaire la poster. Du coup, j'ai eu une peut-être une semaine voilà, tranquille. Mais par contre, ensuite, tout déglingue. Je ne peux plus utiliser mon logiciel d'enregistrement vidéo. C'est un gros problème. Je ne peux plus. J'en ai marre de cette interface. Ça fait la deuxième fois, là, j'ai raté l'intro. Et du coup, c'est la deuxième fois que ça me le fait. Et du coup, les amis, j'ai eu un gros problème. Voilà. Et j'ai. Du coup, pendant un mois, j'ai galéré à retrouver un logiciel. Et là, c'est bon, je suis libérée, je peux vous faire des vidéos illimitées, normalement. Et voilà, je suis tellement heureux. Et du coup, j'ai changé le nom de ma chaîne pour PlayBimo. Alors du coup, mon intro maintenant, désormais, sera... Eh bien, ça, les amis, c'est PlayBimo. Voilà, comme je vous l'ai dit normalement au début. Et du coup... Du coup, je trouvais ce nom un peu mieux que Nino Eriaio ou Nino, voilà. Alors du coup, j'espère que vous aussi, vous le trouvez mieux. Parce que franchement, si je vous demande, si je demande à quelqu'un, écrivez Nino Eriaio sur YouTube, il va me faire. Non mais en fait, je crois que je m'en vais. Voilà, je vais partir et te laisser dans ta mouise. Voilà, en gros, il va faire ça. Et après du coup, j'ai dit, bon, je vais m'appeler Nino, voilà, tout en majuscule. Mais malheur, il y a trop de chaînes qui s'appellent comme ça. Alors du coup, quand j'essayais de tester, ça me mettait des chaînes espagnoles. Voilà, tranquille, parce que Nino veut dire enfant en espagnol. Et j'ai adopté du coup le nom PlayBimo, que je trouve beaucoup plus fun, beaucoup plus mieux. Voilà, j'espère que ce nom vous plaira, les amis. Et j'ai aussi une petite nouveauté. Vous voyez, mon ordi n'est pas très puissant. Donc Minecraft lag. Il lag encore plus quand j'enregistre l'écran. Mais maintenant, j'ai trouvé un truc. Voilà. Du coup, j'ai trouvé ce truc, je vais... En fait, j'essaie juste... Il y a un problème, quoi. Ah non, c'est parce que je suis en F1! Mais oui, voilà. Voilà, vous voyez, là, il y a... Bon, bah, ça descend, là. 20 FPS. Quand j'étais avec vous avant, il y avait 15, 13 FPS. Un truc de ouf. Et du coup, avec toutes les modifications, j'ai enlevé des barres de chunk, mais vraiment beaucoup. J'étais genre à phare et là, paf, 4 barres de chunk normalement. J'ai bougé plein de trucs pour que du coup mon ordinateur puisse gérer les deux en même temps. Et du coup, je suis super content d'avoir voilà, la vidéo est fluide. Franchement, je suis super content. Et du coup, j'ai décidé, j'ai fait une map pendant que je ne pouvais pas faire des vidéos. Et voilà. Bon, il y a juste un petit truc énervant, c'est que. Voilà, eux n'étaient pas censés spawner ici. J'ai mis un... Mince. Mince, comment ça s'appelle? C'est la nouveauté de 1.11. Il y a le vindicateur et l'enchanteur. Je me rappelle plus comment il s'appelle. En tout cas, il m'a fait spawner plein de petites bêtes comme ça. Et ça me gêne beaucoup. Et du coup, j'avais envie de... Bah voilà, il est là. Il est là, le petit débile. Vous savez ce qu'on va faire? Bah, on va aller se chercher une petite hache en diaps. Et on va aller lui défoncer sa tronche. Voilà. Hop. Merci. Oh, il m'a looté un émeraude. Oh mon Dieu, le loot! Vas-y, j'aurais trop aimé être en survie. Et du coup, voilà. J'ai envie de vous présenter les petites maisons. Mince. On va se mettre en F1, voilà. Les petites maisons que j'ai faites. Alors, ceci est ma maison. Voilà. Alors, j'ai adopté un petit style moderne. Là, vous voyez, j'ai fait même un petit restaurant. Je vais vous montrer l'intérieur après. Là, une salle de sport. Là, on... bah, par contre, il n'a pas besoin de montrer l'intérieur, on le voit. Voilà. Une petite course avec un. Voilà, du coup, tranquille. Ici, ce sera le spawn si j'arrive à faire le serveur. Et attention! Grande révélation! Les toilettes publiques. Voilà, qui ne sont pas encore, qui sont pas encore faits. Il y a juste la toiture, etc. Là, la maison du chef. Voilà, un peu stylé. J'ai voulu faire un château. Le moulin. Un petit moulin comme ça où on peut habiter dedans. J'ai mis même un lama. Là, nouveauté aussi de la 11. Un immeuble tranquille. Là-bas, une citerne d'eau et un lac. Bien sûr, un lac avec un ours polaire qui nage poseille, voilà. Bonjour monsieur, est-ce que je peux te frapper? Oui, je peux te frapper. Et du coup, j'ai fait un petit étang tranquille. Voilà, on va mettre juste. Voilà, c'est vachement mieux comme ça. J'ai fait une forêt tranquille. Du coup, j'aurais bien aimé faire ça avec vous en vidéo.
Mais du coup, alors, je vous présente le truc maintenant. Là-bas, il y a le jardin et on va commencer à faire les intérieurs. Par contre, il faudrait juste que je cherche. Voilà. Ici, alors, j'ai commencé par le plus modeste. Voilà. Bon, là, c'est un magasin. Du coup, vous voyez, là, il y a la caisse. On va mettre un peu de musique. Voilà. Là, vous voyez, j'ai fait un truc de teinture d'armure pour se faire des habits. Voilà. Et à côté, vous voyez, il y a l'argent que ça coûte. Je fais. Voilà, mais c'est pas. Il n'est pas encore vraiment fini. Cette map n'est pas encore fini. Les boîtes de shulker pour. Voilà, des trucs encore. Ici, ici. Ici, là, voilà, tous des trucs à acheter. Et en dessous, il y a le nombre d'émeraudes. S'il y a un serveur, j'espère que ces petits méchants, il n'y aura pas de voleurs qui vont piquer les émeraudes. Ce serait vraiment énervant, j'ai même fait un jardin là-bas. Alors, on va commencer par le moulin, que je suis vraiment fier. Je me suis inspiré un petit peu de tutos sur YouTube. Je m'en rappelle plus du nom, malheureusement, j'aurais bien aimé vous le donner. Vous voyez, voilà, ici on a. Du coup, on va enlever ça. Voilà, il la montre. Ici, je vais faire un peu tranquille, genre les vieux moulins avec le petit truc un peu stylé. Voilà, le jardin un peu tout pourri, mais j'aime bien comme ça. Ensuite, on va passer à ma maison. Voilà, j'ai mis, je crois, plus d'un quart d'heure à la faire. Mais juste le terrain, voilà. Sinon, j'ai mis 1 heure à faire le truc. Alors, du coup, je sais pas si vous avez vu ce tuto sur la chaîne de FreeGL qui vous montrait. Voilà, Frigiel, j'aime bien ce qu'il fait, bien sûr. Non, qui montrait du coup ce tuto pour faire les canapés. Alors, du coup, je m'en suis inspiré avec les lits. Merci Frigiel de m'avoir donné ce tuto. Pareil, une télé et tout. Du coup, je me suis inspiré aussi de quelques trucs que j'ai inventés. Bon, le frigo, il est un peu chelou. Ici, voilà, les placards et tout, boîte de shulker. Ensuite, bah, l'escalier, c'est moi qui l'ai inventé. Je le trouve plutôt sympa. Ici, une petite chambre avec des habits. Voilà, un ordi tranquille. Oh, par contre, ça m'énerve. On va juste enlever ça et ensuite on va faire un. Voilà. Alors j'ai fait une petite terrasse. Vous voyez ici. Un peu plus tranquille. J'aime bien la terrasse. J'ai mis de la musique si vous entendez. J'aime bien cette musique. J'adore cette musique dans Minecraft. Il y en a d'autres qui sont pas terribles, mais celle-là j'aime bien. Voilà. Ici il y a un bar-restaurant. Voyage, ça c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai modélisé un bar-restaurant, oui. Alors tu veux créer une ville, créer un bar-restaurant, oui, il n'y a pas de clients. Mais oui, c'est carrément ça, voilà. Alors du coup, les bouteilles de vin, j'ai fait un peu bizarre, voilà. Parce que je n'avais pas vraiment le choix, voilà, j'ai fait avec un pot et un champignon pour faire le bouchon dessus, le bouchon en liège. Avec une sono, voilà, comme vous voyez, avec les disques que j'aimais bien. Ici, distributeur de bière, voilà, avec une enclume, genre, je vais te servir une bière avec une enclume, c'est carrément ça la vie, hein. Mais oui, c'est ça la vie. Voilà. Et du coup, si ça vous inspire, franchement, regardez cette vidéo plusieurs fois. Si, mais mettez pause. Franchement, si ça vous inspire, bon, bah, ça, faut pas vous étonner. C'est le magasin. Alors ici, il y a l'argent et tout. Voilà, un placard. Je me suis inspiré de d'autres choses. Mais les trucs sur le côté, c'est moi qui ai trouvé. Je suis très fière. Ici, c'est le drive. Voilà, avec Manu. Là, ici, les fourneaux. Voilà, tranquille. Des gâteaux, oui. Alors du coup c'est marrant parce qu'en Fightful quand j'ai fait, les gâteaux étaient beaucoup plus stylés que ça. Alors ici vous voyez, il y a l'endroit où l'admin, quand je serai là, et après il y aura des votes et tout. Je fais vraiment une société. En gros là c'est la mairie, c'est la salle des votes. Ici pour mettre les noms sur les papiers. Pourquoi je peux plus sprint? Oh, j'arrive plus à sprint. Bizarre. Ça doit être l'enregistrement qui fait ça. Enfin, j'arrive à sprint. Il y a une touche exprès pour le sprint que j'utilise généralement. Je vous ai emmené direct dans mon bureau que j'ai fait. Voilà. Bon, je voulais lui donner un petit style malgré la mocheté suprême de ce bureau. Avec vue sur la ville. Et le magasin, je l'appelais Knight. Voilà. Alors ici, vous voyez, il y a toutes les lois que j'ai faites. Voilà, en fait, j'ai fait plein de lois, vous les verrez normalement si j'arrive, franchement, si j'arrive à faire le serveur, parce que je suis en train de regarder des tutos sur YouTube pour essayer de trouver. Et là, ici, regardez, c'est la copie. Et là, normalement, ici, voilà, c'est pour copier les livres. Hop, et en dessous, il y a les archives où il y a tout, normalement, là. Non, pas là-haut, là. Voilà, ici, on a tous les livres. Ici, il n'y a rien, normalement. Voilà, en fait, c'est très. Je veux dire, c'est très modeste. Et après, je continuerai à faire des lois tout seul. Comme un petit nu. Voilà. Voilà pour cette là de maison. Alors maintenant, nous allons voir un endroit très spécial. Les toilettes qui sont en construction. Voilà. Et j'ai même fait les petits symboles si vous regardez les femmes. Là, ici, c'est les handicapés. Voilà, les espèces de fauteuils roulants complètement chelous. Ici, les hommes. Voilà, j'ai même fait les toilettes où tu te poses à côté comme ça. Genre. Non, mais ne me regardez pas. Voilà.
Et du coup, genre là, on peut carrément voir ce qui se passe là. Ici, la citerne d'eau, alors elle est pas terrible. Ici, parce qu'en fait, du coup, je sais pas si je vais mettre un no mode pour avoir une barre de soif. Mais de toute façon, ça sera gratuit. Ici, voilà un immeuble que j'ai fait, qui n'est en construction, je veux dire. Il y a, voilà, il y a des gens ici. Regarde, Patate Home, c'est un de mes frères et soeurs qui s'appelle comme ça. Voilà, il n'a pas Minecraft, alors du coup, j'appelle comme ça. Son sapin Noël et son cadeau qu'il n'a pas encore ouvert de Noël. Ici, sa baraque. Bon, tranquille, sa maison quand même. Et ensuite. Attendez. Ouais, parce que ça déco de Noël, ça, c'est la petite étoile et tout. Alors ici, normalement, c'est la maison de Mini Coco. Voilà. Voilà, elle est quand même assez tranquille, c'est pas. Voilà, c'est pas énorme. Après, ici, regardez, il y a juste des noms. C'est pas. Il y a personne, en fait. Qu'on va redescendre. Ensuite, bah, on va regarder tout ça. Alors, on va. Ici, regardez, j'ai même fait un petit chemin. Ici, il y a une plage. Voilà. Après, vous avez comme une petite course, vous voyez, là-bas, qui passe. Alors, pour les bords, voilà, je les ai fait très simples. Bon, tant pis, j'ai fait très simple, voilà, il y a un vide. Et après, bah. Mais non, mais je suis en créatif, pomme de terre. Je me parle à moi-même, ça devient dangereux. Bon, du coup, j'ai fait tout ça, voilà, pour délimiter un petit peu la zone de vie. Parce que si tu vas là-bas, j'ai enlevé le spawn des mobs, mais quand même en difficulté maximale. Voilà, vous voyez, ici, j'ai fait, il y a des animaux qui spawnent tranquillement. J'ai laissé Monsieur l'ours. Voilà. Bonjour, Monsieur l'ours. Comment vas-tu, petit ours? Oui, tu vas bien. Ah, ben, je suis content. Je suis content que tu vas bien. Voilà, on a le petit truc tranquille ici. Le petit truc de pêche. Vous voyez. Oups, je suis tombé dans l'eau. Et en fait, du coup, c'est à peu près ça. Après, il y aura quand même beaucoup de rajouts, normalement. Il y aura des rajouts. Ah, j'ai oublié de vous montrer la piscine que j'avais déjà fait sur Minecraft PE. Voilà, cette piscine, j'ai fait exactement pareil. Alors ici, bah, les plongeoires, tranquille, voilà. Avant, mince, j'ai enlevé un bloc de diams. Alors, à ne pas prendre, bien sûr, quand vous serez en survie là-dessus, si vous venez sur le serveur une fois que j'aurai fait. Attention à ne pas prendre les cubes de diamants. Ce n'est pas bien. Ça ne se fait pas. En plus, il y a interdiction de posséder des bâtons. Non, c'est pas vrai. Non, mais vous aurez le droit de casser des blocs, mais franchement, je trouve que ce serait pas trop sympa de casser des blocs comme un dingue. Voilà, ici, il y a les petits trucs pour se nettoyer les pieds. Et en fait, j'ai fait une énorme salle de piscine, un truc de dingue. Vous voyez là, ici, tous les bâtiments que je fais avec le pointeur. Bah, c'était tout ça. Elle était énorme, elle était hyper stylée. Mais franchement, j'étais super fier, là, vous voyez, le petit truc, genre le petit endroit. Voilà, ici, c'est là où on a. Les cultures, voilà, les pastèques, les carottes, les moutons, etc. Les petits lapinous, les cochons. Tu t'es échappé. Tu veux une carotte? T'as vu ma carotte? Elle ressemble fortement à une épée. Voilà. Je ne suis pas psychopathe. D'accord? Je ne suis pas un psychopathe. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas. Moi, j'aime bien cette ville. Je sais pas, vous pouvez la noter dans les commentaires si vous regardez cette vidéo. Vous avez envie de la noter sur 10 ou sur 20. Bah, vous spécifiez bien, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, s'il vous plaît, ou de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît. N'oubliez pas de la partager si elle vous plaît aussi. Voilà, les amis, à la prochaine!